Vous avez dû entendre de nombreuses et de nombreuses fois, peut-être sur des chaînes YouTube d'entrepreneurs célèbres ou de développeurs célèbres ou bien dans votre entourage, que les perdants trouvent des excuses et les gagnants trouvent des moyens. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui s'est vérifié depuis la nuit des temps et c'est quelque chose qui va toujours être vrai. La vie, elle est binaire. C'est 0 ou 1. Soit vous terminez votre formation, soit vous ne la terminez pas. Soit vous devenez développeur, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de bon, je vais suivre la formation et après, bon, j'ai plus trop le temps, je vais la terminer après. Non, non, ils vont se trouver des excuses du style, j'ai perdu mon ordi, j'ai plus d'argent, je ne peux pas acheter ma connexion internet. Voilà, mon chat est mort, mon poisson est décédé. Les excuses, c'est pour les bitches. Les excuses, c'est pour les gens qui se plaignent dans la vie. Les excuses, c'est pour ceux qui sont tout le temps en train de se dire que la vie ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Les bitches, ce sont ceux qui voient le monde entier contre eux. Ce sont ceux qui voient le mal partout. Ce sont ceux qui voient la bête noire partout. Mais les gars, essayez de réfléchir un instant. Je vous demande, sincèrement, c'est un cours de développement web, mais ça, c'est une parenthèse de motivation. Réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. C'est une époque exceptionnelle. Nos parents auraient aimé vivre dans cette époque. L'époque de l'Internet, c'est une époque d'opportunités incroyables. Il y a plus d'opportunités que jamais. Et la programmation, c'est le métier d'avenir. J'aime bien le répéter, si tous les métiers du monde doivent disparaître, la programmation va faire partie des deux derniers à disparaître. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. Vous êtes motivé actuellement, je suis extrêmement content parce que si vous regardez la vidéo jusqu'à présent, ça veut dire que vous êtes partant. Vous en voulez, vous en avez dans les tripes. Je suis extrêmement heureux de cela. Mais, je vous préviens et je vous dis, ça va arriver. Dans quelques temps, vous allez suivre la formation, vous allez être en perte de motivation. C'est normal, c'est humain. Nous sommes imparfaits, c'est comme ça que notre corps va réagir. Parce qu'il va se rendre compte qu'il faut assez d'efforts. Qu'il faut fournir beaucoup d'efforts pour arriver là où on veut être. Donc, il va se mettre à vous créer des excuses. Votre cerveau va se mettre à vous trouver des excuses. Il va vous dire non, c'est trop long, c'est pas sûr que ça marche, c'est trop dur. Ok? Il va vous trouver plein d'excuses. C'est normal. Mais s'il vous plaît, c'est là où moi je vais voir votre mental. C'est là où je vais voir votre capacité à avancer quand c'est dur. C'est là où je vais voir votre capacité à être discipliné. Et je sais que apprendre le développement, se créer cette discipline, c'est pas du tout facile. S'il faut que je vous appelle, je vais vous appeler pour vous aider parce que je veux que vous soyez des gagnants. Je ne veux pas que vous soyez des bitches. Alors là, pas du tout. Voilà, je ne veux pas ça. Parce qu'on est en vie, c'est l'une des choses les plus incroyables de l'univers. Et sincèrement, sincèrement, vous auriez pu être un arbre, vous auriez pu être une chaise, un bus, vous auriez pu être un objet, d'accord? Mais vous êtes humain, vous êtes né, les gars, vous êtes né. Prenez conscience de ça, vous êtes né, d'accord? Vous êtes né. Donc prenez conscience de ça, prenez conscience de ça, d'accord? Comme le dit un entrepreneur à succès, vos parents auraient pu faire l'amour 2-3 minutes après, vous ne seriez même pas né. D'accord? Ou bien ils auraient pu dire, bon, aujourd'hui, on ne va pas faire l'amour, on va attendre 2-3 jours après. Et vous ne seriez même pas né. Peut-être un autre spermatozoïde allait prendre le dessus sur vous et vous ne seriez même pas là. Donc, prenez conscience de ça, soyez heureux. Je vous demande de la motivation quotidienne pour arriver jusqu'au bout. Donc, retenez ça, les excuses, c'est pour les bitches. Si à chaque fois, vous avez ne serait-ce qu'une once d'excuses dans la tête, dites-vous que je commence à me comporter comme une bitch et revenez à la raison. Attaquez votre réalité pour arriver au bout de votre formation.